Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 70e et dernier épisode de la série Dex High 70. Il y en aura eu 70 épisodes. Allez, on est reparti pour terminer tout ça. Une bonne fois pour toutes. Honnêtement, j'aurais jamais cru arriver à faire ça, arriver à 70 épisodes, c'est ouf quoi. Enfin, après je dis ça, hein. Des fois c'est vrai que je parle là, on a l'impression que je fais un truc de fou. Bon, ça reste qu'une petite série sur YouTube, mais personnellement, pour moi, c'est un truc chouette. Quoi. Je referai jamais quelque chose d'aussi gros sur Crusader Kings 2. Quoi. Donc je suis bien content de l'avoir fait. Sincèrement bien content. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de faire ma sauvegarde entre mes deux épisodes que je fais. Bon, remarquez, c'est pas la première fois que j'oublie, mais je vais la faire au cas où. Hop. Mais bon, c'est... Comme je dis, j'en ai déjà oublié. Mais au cas où, c'est toujours bon à prendre. Voilà, allez, on est reparti. Menace 93%. Ouais, bah ouais. Ah, l'extase maritale. Très bien, si elle arrêtait de mener des troupes, ce serait mieux. Elle se défend contre le roi d'Irlande pour le duché de Galloway et le comté de Galloway. Qui c'est qui gagne? Le roi d'Irlande. Il va récupérer ça, non? Ah bah ouais. J'ai hérité du royaume d'Andalousie. Et il y a une place de chancelier. Je l'aurais bien donné à quelqu'un qui m'aime moyennement et qui est puissant, mais bon, il n'y a personne. Allez, toi, viens là. Non, me faire des revendications ne sert à rien maintenant. J'ai dit, alors, l'Andalousie. On a bien un duc dans le coin, non ? On va faire autrement pour chercher ça. Royaume d'Andalousie, voilà, le duché de Cordoue. Et le duché de Séville, parfait. Un cintre est passé, on a l'habitude. On gagne beaucoup plus d'or. Du coup, on peut organiser un banquet, non. On peut organiser un grand tournoi et on va le faire. Gagner encore un peu d'argent. L'argent coule à flot au comptoir d'Alger. Pour donner une bonne somme pour faire en sorte que le comptoir soit brûlé à la faveur d'une révolte populaire. On va rassembler la foule. Bon, je m'en fous un peu des effets. Hein. Voilà. Bon, très bien. J'ai hérité du royaume d'Irlande. Ah bah tiens, c'est con ça, mon gars. Du coup, ça a arrêté la guerre, j'imagine. Ouais, maintenant elle se défend dans sa. Oula, Ligue d'indépendance. Elle est en train de la perdre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait une révolte ici. Ah, ça va être chaud ça. On va peut-être perdre du territoire là. Qu'est-ce qu'elle a fait cette couillonne ? Mal géré, je pense. Hein. Ça va nous retomber dessus tout ça. Elle a plus de troupes ou quoi? Lâcher la guerre pour l'Écosse à l'encontre de l'impératrice. Attention, ouais, l'Écosse est en train de s'affaiblir. Je peux rien faire pour l'aider. On peut pas forger une alliance? L'aider dans cette guerre là et je vais le faire. Par contre je peux pas l'aider dans l'autre guerre quoi. Je m'en fous. Alors prendre l'armée irlandaise. L'armée anglaise et on va marcher sur les rebelles. C'est moche. Oh, c'est un peu chiant leur truc, hein. Oui, je peux te donner un surnom. Le plus beau de camp, tiens.
Pierre le plus beau de Caen. Oh là là, c'est chiant, mon dieu que c'est chiant. Non mais ils se blessent tous quoi. Non mais franchement. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Eh mais... C'est un peu relou leur truc, hein. Je sais pas s'ils ont prévu de faire quelque chose. Moi je m'en fous parce que je vais arrêter ma partie, mais bon... C'est relou, hein. Tiens, tu vas faire ça, on s'en fout, voilà. Mon oncle. Ah bah bravo. L'armée qui est contre elle, mais je peux pas l'aider contre celle-là, c'est bizarre. Hein. Ah bah le plus beau de camp, il est mort. Notre frère a été tué par Constantine dans un duel au chaos de la bataille. Ah oui, d'accord. Bon bah, c'était mon demi-frère, lui. Voilà. Ah, on a perdu la bataille. Non, c'est pas possible. Bon, il nous reste 20 ans, notre fille, on n'a toujours pas d'enfant, pardon. C'est dommage. Il faut mourir derrière. Hein. Bon, ce serait bien qu'ils meurent les rebelles quand même. Ah bah oui, tiens. Il est devenu indépendant, lui. Et il est contre moi. Ouais, bah voilà, bah... Bon, en fait... Pas mon seigneur de jure. Oui, malheureusement, le royaume de Norvège, ouais, on peut pas le récupérer comme ça. Hein. Bon, c'est dommage, c'est arrivé un peu sur le tard, tout ça, mais... Ah bah ça y est, notre femme est enceinte, c'est un bon début ça. Marre, donc je vais faire des sièges. J'ai hérité du royaume d'Angleterre. Vice-roi d'Angleterre. Voilà, elle sera réconfortée par notre gentil geste. Pas idée du plan qu'on a derrière la tête en fait.
pas tarder de prendre la capitale, on va faire un assaut. Le prince Aenon a demandé à rejoindre l'ordre de Calatrava contre les infidèles. Ouais, vas-y, fonce, je m'en fous. Surpris le comte. Cher et faible, pardon, on oublie. Et paf! Ça y est, Beuf de Conteville! Qui s'appellera plutôt. Robert, hein. C'est mieux. Hein. Faut bien qu'il y en ait encore un. Ok, il a été baptisé. Bah, j'ai pas mon nom à dire, c'est bon, il est fait. Alors, on va dire un baptême ordinaire. De toute façon, ça a été déjà fait. On va pas claquer du fric, hein, puisqu'elle a payé pour moi. Hein. Voilà, c'est parfait, ça. Et finir ça, là, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol. Allez, mais terminez-les là. Allez, 100%, voilà. Alors. Bon, j'ai vu qu'il y avait des soucis, mais ça a l'air d'aller. C'était bien d'attendre un deuxième enfant au cas où, avant de faire disparaître notre femme, et de se faire disparaître soi-même d'ailleurs. Mais pour ça... gagne encore de l'or. On est bien d'accord, il est héritier. Voilà, on devient fauconnier. Bien sûr, de eux a entendu parler de moi. C'est bien. Baronnie. Voilà, par contre, attention, parce que je recommence à hériter de titres que j'en ai un peu rien à foutre. Là-dedans? C'est à nous, ça? Je veux pas le savoir, je m'en fous. Et oui, j'ai hérité d'un autre titre aussi, j'avais vu. Toi, accorder un titre foncier, le comté de Zealand. Voilà, débrouille-toi avec ça. Ah bah tiens, on commence à récupérer des trucs par là, maintenant. On grignote, hein, petit à petit. Tellement de troupes. On va investir dans l'infanterie, on va investir dans la majesté, dans les coutumes religieuses, dans les donjons améliorés, et dans les constructions navales. Allez, voilà. Histoire d'investir pour investir. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Le roi de Bourgogne a la revendication, je jure, entre deux pour obtenir le Dauphiné. Qui c'est qui se défend? Le vice-roi de Finlande?
Ouais, je les laisse faire leur petite vie, hein. Je sais pas comment gagner ça, mais... Essayer de corrompre les gens pour assassiner notre femme. C'est affreux, hein. J'aurais bien aimé qu'elle me fasse un deuxième petit, mais... Mais visiblement, ça a l'air compliqué. Je sais pas si c'est compliqué, en fait, hein, mais... Je voudrais jouer mon fils, même si, voilà, c'est chiant, parce que ça va être... Je vais l'annuler pour le moment, je vais attendre un petit peu, quand même. Mais attendez, on est en 1436, il a un an, 10 ans. Ouais, je pense qu'il sera adulte au moment où la partie s'arrêtera. Je sais même pas s'il aura le temps de l'être en fait. C'est assez chaud, hein. Ça va être assez chaud à gérer. Hein. Le royaume de Galice. De Galice, duc de Navarre. Ah ouais, non, mais toi, t'as trop de titres. Non. On va le donner à n'importe qui, le premier qui passe. Et toi, tu seras la reine de Galice. Débrouille-toi avec ça. Hop, vous vous dégagez. Ouais, par contre, va falloir que je gère, hein, parce que le temps qu'elle meure et que je meure, faut quand même que je fasse ça en 1453. Donc si, si, ouais, non, mais j'ai pas le choix, faut que je l'assassine maintenant. Non! Oh merde, il vient plus lui. Il soutient déjà un complot similaire. Ah. Et oui, en tout cas c'est comme ça que s'achèvera cette partie. Au succès fort retentissant. Ouais non mais là... Dommage, hein, il me manquerait quelques trucs là-haut mais... Ouais elle a tellement de guerre, elle est en train de se prendre plein de trucs là. Je peux pas l'aider en fait, c'est. Il n'a pas forgé d'alliance donc. On va un peu dire adieu à la Scandinavie malheureusement lors de l'héritage, mais. Raison de plus pour qu'elle crève. On peut verser, ok. Vas-y. Tiens, bah lui on peut le brûler, allez. J'ai hérité du royaume d'Italie. Ah mais y'a bien quelqu'un qui a récupéré ça là, le royaume de Sardaigne ou je sais pas quoi là. Le jure c'est ça, là c'est ça, et ouais. T'as du bol qu'on te l'ait pas repris toi encore le titre hein. Allez toi, cadeau. Maître espion, allez toi, un courtisan. Sale môme. Il y a pas mal de gens qui la suivent.
pas demandé l'excommunication. Bah oui, hein, malheureusement, c'est pas sûr qu'elle meure la dadam. Hein. Maître espion, on a même mieux que ça, on a 22 lui là. Ah bah voilà, c'est bien, ma femme elle va me détester quoi. Motif de meurtre sur sa femme quoi. Ma réputation, ouais, doit pas être terrible. Hein. L'espionnage d'ailleurs, tiens. Histoire d'augmenter encore un peu la puissance du complot. Ouais, c'est un peu affreux comme fin, je suis d'accord, mais bon. Vous comprendrez bien pourquoi. Femme est enceinte. Alors j'ai essayé de l'assassiner. Pourquoi pas, hein. L'enfant va bien, l'enfant va bien. Ah bah merde, si on essaie de me tuer alors. Mais c'est pas étonnant, hein. Concernant le dragon, c'est plutôt classe. Ah, tentative de meurtre, enfin du complot en tout cas. Des litières et des plumes partout, ce que prenez un seul manger. Je vais tomber sur un gigantesque pélican sur la table. On va tenter de vous apaiser en printemps un nouveau garde pélican. Il a mordu ma sœur, qu'on se débarrasse. Quoi? Les présents tourant la voix sont terribles. Bah oui, elle va mourir. Enfin, peut-être en tout cas. Ça peut être que terrible, hein. C'est un échec. Dommage. Mais ça part mal comme grossesse, ouais. Je confirme. Encore augmenté en puissance. Pas mal de petits complots, mais pas de gros gros dangers au niveau des complots en tout cas. Aline, pourquoi pas. Bon, il nous reste pas tant de temps que ça à jouer, hein. Encore en conflit ou pas dans ces combats? Non, ça va. Globalement, ça va. Ah, le Saint-Empire qui a récupéré un truc ici, ouais, d'accord.
suis un parricide, ouais. C'est pas fait pour aider, ça c'est sûr. 130%, c'est pas mal. Faire mieux peut faire pire. D'Evreux, ok. De prospérité. 142%. On va faire, je vais envoyer un peu d'argent quand même à ces gens-là au cas où, on sait jamais. Avec lui, est-ce qu'on a de mieux? Ah bah non, on a bien mieux là. Hop, voilà. On sait jamais qu'il sème un peu la discorde. Ça ne ferait qu'augmenter la puissance du complot. Vipère venimeuse. Ah. Nouvelle tentative. Ok, donc j'ai hérité du royaume de Bourgogne. Très bien. Elle a paré l'attaque, quoi. Elle a pas envie de mourir, elle, hein. Elle a pas l'air très très motivée, hein. Aïe aïe aïe. On a quand même deux tentatives échouées. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il arrive à faire le boulot, hein. Semer la discorde entre le bourgmestre. Alors, je sais pas si lui est susceptible d'être invité, mais si on prend lui, il est où lui? Ah, il est bien là, hein. Ouais, donc si ça pourrait, ça pourrait, mais c'est à la chance. C'est à la chance. Accepté. Si j'achète une faveur. On peut pas, hein. C'est dommage ça qu'avec une faveur on puisse pas le forcer à rejoindre un complot. C'est pas grave, j'aurais essayé. Ouais, allez, j'accepte. Allez, maintenant c'est du vin. Est-ce que cette fois-ci le vin va marcher? Après, on va le savoir. Donc, notre femme est morte. Donc notre fils est passé roi d'Écosse et de Norvège. Maintenant, faut qu'on nous, on meure. Alors, bah c'est pas assez simple, hein. Sort de sa cachette déjà. Histoire de mourir, c'est bien. Premièrement, alors ce qu'on va faire, je sais pas si ça peut marcher. J'ai jamais testé, hein.
Je voudrais qu'on dirige les troupes, mais je voudrais... Ouais, on va prendre ça, déjà. On va se faire écraser. D'accord, il est devenu vice-roi d'Irlande, lui, carrément, comme ça. À la fraîche. Alors, si je prends... Je fais une nouvelle unité. Ouais, non, là c'est un peu gros quoi. Et voilà, on va le provoquer le suicide, enfin la mort. La blessure ou. Ah, c'est la fin de partie, hein, c'est... Voilà, on s'amuse. Après, notre personnage est plutôt bon pour se défendre, même s'il était surpris, hein, mais... Mais on sait jamais, on tente. Ah, on peut usurper des titres. Allez hop. Duché de Basse-Lorraine. Le duché de Bade. L'archevêché et le duché de Suse. Donc le duché du Rhin. Le duché de Bade. Et le duché de Basse-Lorraine. Eh bah tiens. Duché de Haute-Lorraine et de Basse-Lorraine, comme ça t'es bien toi. Ah là là, j'arrive vraiment pas à mourir hein. J'arrive toujours à fuir, faut croire. Qui est une belle performance, n'est-ce pas? Parce que si je voulais vraiment le faire, je ne pourrais pas. Ah oui, pardon. Bah, tant pis, hein. Allez hop, voilà.
vais pas y arriver hein. Même pas un événement, rien. Alors quand vous le cherchez, vous le trouvez pas. Genre là tout le monde est fini mais moi merde quand même quoi. J'ai beau envoyer des troupes en vrac en boucle, je n'arrive pas à mourir, à avoir un événement qui fait que je peux mourir ou être blessé. Rien. Rien, regardez. Ah des dégâts j'en ai hein mais. Ok. Après une crise cardiaque, je reprends mon enregistrement. J'ai dans mon casque un son qui s'est déclenché, mais à toute puissance. Je viens de faire le sursaut de ma vie, quoi. J'étais en train de vous parler, et puis tout d'un coup, un énorme bruit dans le casque en continu. Ok, eh ben dites donc. Waouh, allez, on réessaye de faire ce qu'on est en train de faire. Ça m'a bien calmé, hein. Bien musclé et tout. Oh, c'est l'air sympa à jouer. Hein. Bon, on n'aura pas le temps de le jouer, mais. Bon, est-ce qu'un jour on va mourir? Pas faute d'essayer, hein. Bon, vous allez me dire c'est que des rebelles, mais quand même quoi. Ouais, bon, j'ai pas envie de gérer ça. Je peux vous dire, j'ai encore le cœur qui bat hein, parce que ça m'a fait vraiment bizarre. Hein. Ça se déclenche d'un coup ce son là, une espèce de mais wow! Oh. Ça fait très très bizarre. Hein. Sinon on fait ça, comme ça je vais pouvoir déclencher des duels. On peut essayer hein, de déclencher. On va déclencher des tonnes de duels jusqu'à peut-être mourir. Ça peut être une solution hein. Ouais bon là, on peut pas faire de duel, j'imagine. Je me souviens plus si on peut faire des duels contre n'importe qui ou pas. Faut que je me crée des rivaux quoi. Ouais, c'est vrai. Et tant qu'à faire, il faudrait des rivaux puissants. Bah tiens, ce qu'on va faire dans le pays. Toute religion, toute culture, joindre cours, non. En fait, on réinitialise, on met juste sexe homme.
C'est là que je me rends compte qu'on a une très très bonne compétence de combat, quoi. On va prendre n'importe qui, tiens, lui. J'ai proféré des menaces contre lui. C'est ridicule, hein, mais c'est chiant de se faire des rivaux. Hein. On va tenter ici, mais c'est pas mieux, hein. Il nous reste 10 ans à jouer. Bon, eux, on va arrêter, il y en a marre, voilà. On va se les terminer. Ouais, bah là, on va les terminer aussi, bien évidemment. Faudrait plutôt que dans mes vassaux, je prenne un. Tiens, bah pourquoi pas lui? Ouais, il est bon en plus, hein. Oui, bah avec notre frère, ce serait bien ça. En rivalité avec lui, il est fort, hein. 31 en martial. Ouais. C'est pas simple, hein, de mourir, hein. Quand on n'a pas l'habitude, en tout cas. Pas être impliqué dans une guerre, d'accord. De toute façon, je la défonce elle, hein, si je le fais. Hein. Ok, il est là lui. Allez, allez, on accélère. On va encore tenter un petit assaut là. Il est contrarié. Voilà, on n'a même pas un événement, rien. On s'est fait massacrer pourtant. J'ai beau mener les troupes tout seul. Il paraît qu'avec l'âge vient la sagesse, ou du moins nous ne posons plus les mêmes questions. Bon, vous avez du mal à dormir des moments, alors que le reste de la cour profondément, vous êtes allé à fixer le plafond. Vieillissez, chaque jour qui passe vous rapproche du moment de quitter ce lieu. C'est bête d'avoir telle crainte, et pourtant vous n'arrêtez pas d'y penser. N'aurez-vous pas de choses plus précieuses? Vous rentrez sans votre lit, c'est ridicule. Vous auriez dit avant même. Et avait même des gens prêts à vous servir le moindre de vos captrices.
On obtient le trait contentement où on convoque le conseil. Wow, on va faire ça. Réunion des têtes pensantes. Je veux étudier le sujet de la vie éternelle. On va pas le faire parce qu'il suffirait qu'on réussisse. Bon, encore une fois, tout le monde y passe et allez, hein, à l'attaque. On va quand même avoir une armée, hein, parce qu'on sait jamais que dans la. Mais j'ai peut-être une compétence de personnel de combat personnel trop élevée en fait. Il aurait fallu que je la réduise au maximum en me désappant. Genre en se déséquipant de tous les trucs. J'étais à 72 hein, quand même, je suis passé à 62. Ah oui, juste le fait de l'avoir, même si elle n'est pas équipée, elle nous donne le truc. Ah non. À 52 quoi, après 100 immortels d'Alexandre, intérêt de guerre. Quand même là. Je devrais bien pouvoir mourir, non? Avec 662 hommes. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Ça aurait été classe après de finir sur la vie éternelle, hein. Mais bon. C'est vrai que j'aurais pu le tenter comme ça, de terminer sur la vie éternelle. Ça aurait pu être une belle fin, mais bon, faut le réussir. Je sais même pas si c'est possible. Hein. Honnêtement. Le roi Vert me déteste profondément. Ça y est, on a une rivalité. Bon. Faut que je finisse impérativement ma guerre. Ce qui devrait être bon maintenant. On peut pas payer nos exigences à ce niveau-là. Histoire qu'on en finisse. Oh ouais, bah je m'en fous, hein. C'est bon. Ouais, je suis désolé si pour vous c'est pas très plaisant, hein, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il faut que je finisse cette partie. Et je voudrais récupérer les derniers territoires possibles, donc. Donc on fait ce qu'il faut. Allez, terminé. Hop là. Est-ce qu'on peut? Ouais, on peut l'affronter en duel. On va y aller comme ça, sans bonus, et on va voir. J'enfonce ma lance dans sa poitrine. Ok, bon, on a gagné. On a gagné. Voilà. Bon, bah, impossible de mourir. Hein. Dommage. On aurait essayé.
Enfin, même pas une blessure, rien quoi. Dix ans, ouais, en plus on pourrait être adulte juste avant quoi. Alors lui me déteste aussi, hein. Sur en même temps, j'ai pris ça, j'aurais peut-être pas dû, mais on est obligé d'avoir ça. Alors, un coup, fallait qu'on mange moins, maintenant faut qu'on mange plus. Bon, compliqué tout ça, hein. Bon. C'est compliqué hein, on voudrait bien crever là, mais bon, on n'y arrive pas. Malheureusement, je pense que je ne vais pas arriver à mourir. Hein. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à récupérer quand même. Hein. On me dirait l'Écosse est encore en rébellion. Parce qu'il est en train de la perdre, sa guerre. Oh là 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 là. C'est pas simple tous les jours. Hein. L'Écosse est en train de perdre tous les terrains possibles. Non, ils veulent pas. Parfait. Que là maintenant faut gagner cette guerre-là. Oh là là. Les dernières années vont être compliquées, hein. On essaie de terminer ça au plus tôt.
en avant vers la Germanie. Oula, mais il se passe des choses par là. Ah, c'est un catholique hérétique. C'est cool ça. Mon bénéficiaire aura les titres. Alors je comprends pas ça parce que bénéficiaire papal. Voilà. Bon. Peut-être qu'on pourra aller mourir sur le champ de bataille. Voilà. Attends, nous deux, on va se faire une petite petit truc. Non, on peut pas, il est en guerre, merde. Chier. Ouais. Et c'est où qu'il y a des maladies? Tiens, ça aurait été bien d'aller traîner où il y a des maladies aussi. Mais je crois qu'il n'y en a pas par chez nous. On a une escorte, elle sert à ça, hein. J'ai pas pensé à ce détail, tiens. Ah, bah si, là, il y a une fièvre lente, là, tiens, parfait. Restons par là, on sait jamais. Baladons-nous par là. Qui sait ce qu'on pourrait choper? Même si je voulais, je peux pas l'aider. Bon, ben écoutez, je pense que la fin de partie se ressemblera à ça. Ah, mais ils sont un peu embêtants, les gens là. Ah, c'est vraiment dommage, hein. J'ai vraiment tout fait, hein, pour mourir, mais... Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, comme on disait.
Et on va se préparer pour la croisade. Ah bon, on peut avoir peinture magnifique. Tiens, je sais même pas. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Regardez, ce qu'on va faire, on va mener une armée. On va attendre qu'il déclenche la croisade et puis on va foncer sur les premières troupes qu'on trouve. On a 360 hommes. La croisade, c'est dans 70 jours. Ah, mais c'est pour Jérusalem? Je croyais que c'était pour la Germanie, moi. Ah, ils peuvent changer la cible. Ah, on peut dépenser de la piété pour convaincre. D'accord. Bon, bah plutôt là alors. Bon, là j'ai gagné. Eux vont me tomber dessus. Mais il n'y a pas moyen de mourir, hein. Même si je le veux, hein. Incroyable. Pas un événement négatif, ah, rien. Écoutez, là j'ai carrément enlevé, hein. Je me suis mis en espionnage. Ouais, bon, là, d'accord. Mais là, quand même. Bon, bah, j'ai eu un événement, mais j'ai remporté le duel. Derrière, je crève, mais. Je remporte tous mes duels aussi, donc. En tout cas, c'est une bonne amélioration qu'ils ont fait, hein. Vraiment les compétences de combat et tout, c'est vraiment sympa, hein. Maintenant, plus on fait des duels, plus on gagne en compétences personnelles, ça a été vraiment mis en avant et ça, c'est une bonne chose par contre. Ils ont vraiment amélioré ce point-là, hein. Non, mais je vous l'ai dit, hein, c'est. On a beau chercher la mort, des fois quand elle vient pas, hein. Sinon, ce que je pourrais faire aussi. C'est prendre plein d'enfants. Mais alors, c'est chiant à faire. En fait, on peut devenir stressé si si on s'occupe beaucoup d'enfants, je crois. Ça me revient au fur et à mesure, mais bon, franchement.
pas si on peut le faire à plusieurs enfants d'ailleurs. Non, on peut le faire qu'une fois. Flèche hurlante, ouais, on a gagné des points, c'est bien. Non, bah écoutez, je ne sais pas quoi faire de plus, donc... Ouais, on gagne, je récupère des titres, c'est tout ce que je fais. Donc on va lever tout. Tout et tout le monde, et puis on va partir là-bas, on va essayer de se battre, hein, et puis c'est tout. Allez hop. Voilà, on a encore perdu, mais on se blesse pas. Peut-être qu'il faut des grandes batailles pour ça. Plus de chance. Mais bon, pour moi, quand on fait un assaut avec 200 troupes contre 4000, et que tout le monde meurt, je vois pas comment on peut s'échapper. Hein. Mais enfin. Mais comment tu peux courir dans la rue alors que t'es en train de te battre, mec? Mais... Je comprends pas. Devenir patient. On peut devenir colérique. On va devenir patient. Ouais, donc j'ai plus d'événements quand il y a plus de troupes, on dirait. Bah maintenant faut que je fasse des sièges. Peut-être qu'en faisant des sièges aussi, il y a des risques. Allez, il nous reste 4 ans, même pas 3 ans. En plus, j'ai plein d'événements sympas, mais je les apprécie pas parce que... Parce que voilà quoi. Ok, donc là, on va se prendre un assaut. Parce que j'arrive pas à mourir, quoi. Et que c'était mon but premier. On continue de réussir nos duels, hein, on tue tout le monde. On peut acheter un bracelet de rubis. Ça fait quoi? Qualité 3, opinion. Ah, c'est pas mal. C'est bon à savoir que ça existe, ça.
Et au fait, mon fils est-il devenu adulte? Pas encore, mais il a des stats pas dégueulasses, il est élégant, musclé, diligent. 9 janvier de l'année prochaine. Donc on pourrait vraiment mourir à ce moment-là, ce serait parfait quoi. Oh, mais c'est bon. Oh, ça m'énerve. Franchement, j'ai plus trop envie de gérer tout ça. Hein. Créer un état croisé occupant tout le duché de Djerid. J'ai pris mes hommes ont pris les assauts et les murailles de Djerid, se sont emparés des derniers bastions de Djerid. Si j'installe mes hommes dans la région, ils pourraient probablement soutenir la croisade en cours et nous aider à obtenir la victoire. Mais le peuple ne sera pas content si je prenais ces terres pour moi. Ah oui, d'accord. Bien croisé installé. Je deviens croisé. Et elle deviendra. J'usurpe tous les titres du duché de Jérid, ok. Ah ouais, je savais pas ça. J'abdique en faveur du roi d'Écosse. Non. Ah ouais! Carrément, je peux dire ça maintenant, c'est à moi, quoi. Ah bah c'est cool ça. C'est génial ce truc. Voilà, c'était la fin de partie pour que je l'essaye, j'avais pas osé l'essayer avant. Bah. Je suis un fou, je pars à l'assaut comme ça. Poignée enflée, pff, non, non, c'est. Je les enchaîne tellement les duels, pff, c'est tellement facile quoi. Je vous dis, hein, j'arrive pas à mourir avec mon personnage. Hein. Ah, il va y avoir des grosses batailles là. Bah, je suis où moi en fait? Ah bah non, bah oui, mais faut que je gère des troupes moi. Si j'ai des chances de mourir. N'est-ce pas? Alors. Ah, on peut obtenir blessure grave. Ça, c'est bien ça. Non, c'est affreux ce que je dis, mais bon. Je veux mourir. Laissez-moi finir de mourir, bordel. Le personnage était génial, hein. J'aurais aimé le... Oh, non mais l'événement qui revient en boucle, j'aurais aimé le jouer, hein, vraiment. Hein. Voilà, j'ai préparé la succession et donc le nouveau personnage, on a dit, il ressemble à quoi? Ah, il est moche, mais franchement, il est pas mal. Hein. Il a quoi comme formation? Bâtisseur de fortune. Ouais, bon, ça. C'est pas terrible, terrible, mais.
C'est un peu l'épisode what the fuck hein, quand même, faut dire ce qui est hein, mais attention que ça se retourne pas non plus contre moi hein. J'ai pas de physicien. Ah mais pour ma blessure, je sais pas, ça sert à quelque chose, je suis pas malade. Quoique. Non, bah non. Non, non. C'est qu'une blessure, donc... Bon, il nous reste plus beaucoup de temps pour mourir. Va-t-on y arriver? Ah oh bah non, j'ai perdu la blessure grave. Bon. Dommage, hein, parce qu'on avait pris cher, mais... Pas assez pour mourir. Allez, allez. Bon, ouais, il nous reste qu'un an à faire, hein. Faudra vraiment pouvoir faire une bataille, hein. Bien, la partie devrait s'achever, alors je pense que c'est au 1er janvier, hein, de toute façon on va le savoir. C'est vraiment dommage, hein, franchement on n'est pas passé loin de mourir, mais non. Toujours pas, on tente ici. Pour être un homme, assassiner un autre, je m'en fous. Ah. Oh oui! Ça y est, on est arrivé à mourir avec l'empereur Wiimund à quelques mois de la fin du jeu, c'est incroyable. C'est un objectif hein, que je m'étais fixé. Et donc du coup, on devient l'empereur Robert III. Doté d'une connaissance impressionnante de toutes choses entre ciel et tel, et terre, pardon. Et donc normalement, voilà. Yes, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Bordel. J'ai réussi. Ouais, on peut récupérer le royaume de Laponie, le duché du Rhin. C'est trop bien. Le maréchal. C'est toi.
Bon, on a des énormes factions contre nous, c'est la merde, on a trop de territoire. Je vais essayer juste d'équilibrer ça avant de finir, hein. Pour calmer les gens mécontents. Ah, et franchement, des fois, il y a des objectifs, hein, qu'on se fixe qui sont pas simples à atteindre. Bah, celui-là, c'était le cas. Voilà. Par contre, non, mais attendez, il y a un petit souci. T'es vraiment trop laid, hein. C'est mieux, déjà, je préfère. Ensuite, donc je vais redonner tous les titres qui sont là parce que je veux finir proprement. Royaume de Galice. Du coup, tous ces gens-là, là, on peut pas leur proposer de. Ah non, mais il est roi, quoi. Enfin, n'importe quoi. Guerre civile écossaise pour accroître le conseil. Non, mais c'est bon, hein, stop. Alors. Royaume de Laponie, 2 jours, c'est ça, et là, c'est ça. Voilà. Ensuite, le duché des Hébrides. Le duché du Rhin. Que là, on a encore trop de trucs, quoi. Le comté de Hedmark. Et ça, je peux pas le donner. Alors, j'imagine au hasard que c'est parce qu'il est déjà pris. Voilà, guerre civile terminée. Le mec, il se rend. Et pour cause. Établir l'intérêt à Caen. Ouais, donc c'est bon. Du coup, Edmark, je peux le donner à quelqu'un. Bah, je vais le donner à lui, on s'en fout après tout. Ensuite, le duché de Jerid. Le duché de Alba. Ensuite, du coup, le royaume d'Écosse. Plutôt le royaume de Norvège. Moi, je peux pas déclarer de guerre, mais il y en a qui peuvent, hein. Tiens. La voilà, vice-reine de ça. Et le royaume d'Écosse. 2 jours, c'est ça. Et voilà. Dirigeant non couronné. Bah, on peut pas parce qu'on peut pas. Ça, tu annules tout de suite. Majesté, on va le monter encore plus. Technique d'escarmouche. Pratique commerciale. Voilà. Le bénéficiaire de la croisade n'a pas été choisi. On va prendre n'importe qui. Toi. Et puis voilà, conseil insatisfait. Je pense qu'on va pouvoir finir comme ça. Prendre des gens importants qui nous aiment moyennement. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à terminer là-dessus. Voilà, sur ce magnifique empire. Avec l'empereur Robert III. En hommage à Robert de Conteville. Premier de son nom.
Qu'est-ce qu'il aurait pu croire? Est-ce qu'il aurait pu croire à ça, lui? Non, c'est pas possible. Il aurait jamais pu croire que ça serait arrivé. Enfin, on a tout récupéré sauf ça, quoi. On a perdu ça, mais sinon on avait récupéré tout, quoi. C'est vraiment dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on accélère en vitesse 5. Et normalement, au 1er janvier, si je dis pas de bêtises, ça devrait être terminé. La partie devrait se finir avec un score assez ouf quand même, 168 000. Je pense que c'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal, donc je ne gère plus du tout, hein, ici. J'ai arrêté, hein, de gérer. On avait des troupes là, vous voyez, bon, ils vont se faire casser la gueule. Donc voilà, normalement la partie va s'arrêter au 1er janvier. Ça y est, 70 épisodes. Waouh, je rappelle que l'objectif était d'être indépendant. Je pense qu'on peut considérer que c'est fait. Attention, on va voir, mais je pense que la partie devrait s'arrêter là. Terminé, messieurs, dames. Voilà, vous voyez sur la droite tous les règnes. Robert II, le duc, la duchesse Emma, le duc Errant, 12 ans, le duc Fulk, 12 ans, le roi Ginolf, 60 ans, donc là ça y est, on était roi. L'autre roi, Roland, qui est devenu Saint Roland l'apôtre, le roi Roland le Béni, 45 ans, roi Roland, fils du diable, 6 mois, l'empereur Turold le Chevalier Blanc, 58 ans, Turold le Béni, 33 ans, Roland, cœur de lion, 60 ans, Lancelin le Victorieux, 9 ans, Arnald de Normandie, 1 an, Wimund le Dragon, 27 ans, et 7 mois pour l'empereur Robert III. La partie est terminée! 170 000 de score. Je me fixais absolument rien au niveau du score, mais quand même. Je vais exporter la partie EU4 parce que j'aurais peut-être la curiosité de. Alors, je n'ai pas dit que j'allais faire une partie sur EU4, hein, sauf si vraiment vous me le réclamez, et encore, même si vous me le réclamez, je pense que je ne le ferai pas. Mais au moins, voilà. Je l'aurai. Parce que je suis curieux quand même de lancer EU4 et de voir, de voir ma partie sur EU4. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire un petit timelapse final où on voit vraiment où on voit vraiment tout en accéléré. C'est un peu dommage même, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette série de 70 épisodes. J'ai dû enregistrer plus de 60 heures de jeu, hein. Franchement, si je le retrouve en statistique, je le mettrai, mais je pense qu'il y a plus de 60 heures de jeu sans problème. Franchement, vous avez été top, les commentaires, les conseils, voilà, ça m'a permis d'avoir des discussions très sympas avec certains d'entre vous. Merci, merci beaucoup pour mon tout premier let's play sur YouTube. Désolé pour les erreurs, les misplays, je parle trop vite des fois, j'articule pas parce que ça m'énerve, parce que je vais trop vite. Mais en tout cas, merci à tous pour ça. 70 épisodes, c'était énorme. Enfin, pour moi, hein, je sais que ça paraît pas énorme, mais moi, je me suis régalé. C'est une partie de fou. Merci à Victor, alias Le Cygne Noir. Oui, mais. J'ai dit son prénom, bah voilà, vous connaissez son prénom maintenant. Et c'est pas grave, s'il y avait pas, c'était pas caché non plus, qui m'a gentiment donné sa chaîne. Voilà, ça y est, c'est terminé. Si j'ouvre la chronique, ça va rien nous dire de plus, l'écran des scores. Donc, on quitte. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous pour tous ces moments. Je vous dis à très bientôt pour du multijoueur ou du solo. On verra sur qui, sur quoi, avec le signe noir, sans, je ne sais pas. En tout cas, à très vite, portez-vous bien et merci encore à tous. Bye bye et à très bientôt.